Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Pierre qui nous présente cette fois-ci sa nouvelle acquisition, à savoir une Mégane 2 RS. Tout à fait. Donc comme certains le savent, j'hésite à faire un stage 3 sur la GT220. Après réflexion, on s'est dit que bon, avec certains de mes amis, on s'est dit que c'était pas forcément utile vu le prix de la préparation. Et du coup, je suis retourné à mes premiers amours, la Mégane 2 RS. Celle-ci est une phase 1 de 2004, fin 2004. Mon ancienne était en phase 2. Donc en stage 2 plus à 301 chevaux et 427 Nm. Celle-ci en stage 2 plus ou 3, ça dépend comment on interprète la chose. 297 chevaux pour 403 Nm, il y a un peu moins de couple. Elle a le turbo de la Mégane 3 RS par contre, donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu bridé. Au niveau de la couleur, bleu arctique, ce n'est pas un bleu Monaco, je me suis fait avoir aussi. Apparemment, le bleu arctique est apparu sur les phases 1 et sur les phases 2, c'est le bleu Monaco. On a une déco F intime, mais c'en est pas une. Non, on a juste la déco, donc les stickos à l'avant, sur le côté, et on a aussi à l'arrière, classique. Hein. Et le toit. Voilà, le toit. Niveau nettoyage, je voulais la laver en partant, mais bon, là aujourd'hui on tourne la vidéo, il a plu comme ouais. Je sais pas quoi. Donc effectivement, la preuve en est, le cache-plaque s'est fait la malle. Ouais, ça aurait servi à rien de la laver. Niveau freinage, qu'est-ce qu'on retrouve? On est sur du 312 à l'avant, 300 à l'arrière, freinage 4 pistons. Ah, donc on retrouve ce bloc F4RT. C'est le même que celui des Mégane 3 RS ou il y a eu quand même des évolutions? Alors, de ce que j'en ai vu, apparemment, entre 2 et 3 RS, c'est sur le principe le même. Néanmoins, il y aurait eu 75% des pièces qui auraient été changées. Donc changées, renforcées, on appelle ça comme on veut. C'est pour ça que celui-là, il faut forger aux alentours des 300 chevaux, grosso modo, en limitant le couple. Alors que sur celui de la 3RS, bon après, 3RS, il y a débat aussi, hein, 420, 430, mais il tient beaucoup plus de puissance. On voit déjà que l'admission a été changée par un gros cône. Tout à fait, admission KTEC. Donc avec le pare chaleur qui est là. Donc on a le turbo de la Mégane 3 RS qui est dans le fond. Que bon là je sais pas si on va voir beaucoup mais voilà. On a les injecteurs de la Mégane 3 RS en ouais. Plus du turbo. Je voulais mettre une Dumval Forge mais vu le bruit de l'admission ça fait déjà une voiture d'enrhumée. Donc du coup on va peut-être éviter. Déjà t'as déjà un bruit d'admission qui est très prononcé. Ah ouais bah on verra tout à l'heure ouais, c'est, ouais. Oh, on l'entend tout le temps. Bah oui c'est une voiture d'enrhumée elle souffle, c'est un truc de malade. L'échangeur est quand même massif. Et on a un Decata et un silencieux tube. Waouh, hey, c'est... Putain, la caméra elle est trempée. T'as quand même une carte au pop and bang là? Oui. Donc semi-slick à l'avant. Ouais. D'ailleurs t'as la voiture depuis combien de temps? Depuis 10 jours. Ouais, donc t'as pu tester un petit peu ou pas encore? Bah en fait pour la petite anecdote c'est que je suis allé la chercher du côté de Nîmes, d'ailleurs comme le break. Et en partant de Nîmes il faisait beau. Il faisait quoi 10-12 degrés, temps sec, j'ai pu faire une sortie de péage avec. Parce que bon, sur les routes de campagne là-bas je les connais pas donc on va pas. Elle est sortie de péage, la deuxième, elle a accroché, mais parfaitement bien. Donc, je pense que cet été, on va pouvoir rigoler un petit peu dans la mesure du raisonnable. Ouais. Bon, moi, j'ai quand même assez hâte de voir si on va réussir à faire passer au sol, là, sur des reprises en 2 et en 3. Ouais. Parce que, bon, c'est pas très humide, mais ça risque d'être peut-être un petit peu gras. Donc, En 2, je pense que ça va être un peu juste. On va essayer. En 3 par contre, pour venir ici, là en 3, ça allait à peu près. Pour passer sur l'intérieur, c'est vrai que je te l'avais déjà dit, je suis pas très 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 fan des intérieurs de Mégane 2 RS. Parce que je trouve que ça a particulièrement vieilli. Les choses moi qui me déplaisent principalement, donc on va commencer par le volant. C'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu trop monobloc. Bah, ça ressemble, comme tu le disais, à... Ouais, ça ressemble à de la Clio, entre guillemets, de base, à du Kangoo, à ce genre de véhicule. Après moi je suis d'accord avec ceux qui nous disent que les finitions intérieures de la Mégane 2 RS sont pourries. Mais d'un autre côté moi dans mes critères personnels quand j'achète une sportive moi, je m'en fous de l'intérieur quoi. J'aime bien les compteurs tu vois c'est assez sport donc c'est gradué jusqu'à 280. On a un contour avec une zone rouge. Non c'est pas trop démodé j'ai envie de dire. Qu'on a sur celle-là qui est pas mal mais ça a été rajouté évidemment c'est pas de série hein. C'est l'écran qui est là. Qui est sous Android tu vois. Ah ouais. Ah non, mais je pensais que t'as les applis. Je pensais en fait que tu disais c'est carrément une tablette d'Android de par la taille, tu sais, à titre de comparaison. Mais en fait, c'est une tablette réellement qui a été fixée sur. T'as le logo Bluetooth qui est allumé, mais t'as aussi le logo Wi-Fi. Bon, il y a ce frein à main quand même. Ça, c'est, oui. Niveau discrétion, Renault a fait mieux. Siège chauffant par contre. Siège chauffant, ok. Donc, bah pour parler des sièges, alors on retrouve des sièges en cuir, donc qui sont badgés Renault Sport. Ouais. Bon.
Pareil, je suis pas très fan. Je suis désolé, hein, de Pierre, de donner mon avis, mais la Mégane de RS, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que niveau intérieur, j'ai quand même du mal. Je partage ton avis là-dessus, mais moi personnellement, sur une sportive, moi j'aurais même pas mis les sièges chauffants, j'aurais même pas mis la clim. Pour moi, une sportive à l'intérieur, ça doit être plus que secondaire, ça doit même être tertiaire. Il reste à faire, mais ça, pareil, hein, c'est pas une critique envers l'ancien propriétaire, c'est juste des goûts perso. Mettre des cales avant et arrière. C'est vrai que là, quand t'es comme ça, tu vois même pas le pneu. Bah ouais, c'est ça, parce que avant arrière, je trouve que c'est trop rentré. Ouais, c'est vrai. Et sur une voiture classique, c'est pas dérangeant, mais bon, sur une sportive, moi, ça me pose oui, un petit problème. C'est mieux que ça soit un petit peu plus mis en d'autant valeur. D'autant que les semi-slicks sont des flancs tendus, parce que tu vois, ils sont un peu en oblique. Ouais, ouais, exact. Côté jante, c'est d'origine ? Jante d'origine, oui. D'origine Renault, je pense. C'est du 18 ? 18, tout à fait. Pareil, les jantes, c'est pas mes jantes préférées chez Renault Sport. Pour l'instant, j'ai celle-là parce que j'ai la voiture que depuis 10 jours. Mais l'idée, c'est de passer soit sur des bebop, soit sur des jantes qui ressemblent à des bebop. Et le petit béquet à l'arrière, le béquet R26R, qui est là et absent. Et du coup, je trouve que ça casse trop la ligne d'un coup. Ouais, alors c'est que un peu, béquet, trop, un peu rajoute, trop brut. Ouais. Alors que le béquet lui allonge un peu plus la ligne et je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Putain, heureusement qu'elle est pas aussi basse que mon ancienne parce que là je peux même pas sortir du coin. Merci jeune femme. Comment ça comprendre pourquoi tu disais tout à l'heure que la voiture était enrhumée? C'est vrai que quand on roule tranquillement. Non, c'est un délire, putain, écoute, merde. Oh, on l'entend tout le temps. Bah oui. Tout le temps. C'est pour ça que je dis que c'est une voiture enrhumée. Alors il y en a qui aiment bien, d'autres qui aiment pas, moi j'aime bien. Bon c'est un peu négatif comme terme, mais bon, tout droit. En quelque sorte, c'est bien. Bah oui, alors c'est négatif comme terme, mais c'est terriblement réaliste. Le bruit de l'admission est très 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 prononcé. Poser une question Pierre, alors pourquoi être revenu sur la Mégane 2RS sachant que tu en avais déjà une? Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que la Mégane 2RS est sortie quand moi j'étais au collège. Et quand j'étais au collège, figure-toi que j'aimais déjà les voitures. Et il y en avait souvent une qui passait devant le collège. Et du coup j'ai développé ce kiff pour la Mégane 2RS. Et là où nos anciennes générations ont kiffé sur les 205 GTI, sur les Renault 5 Turbo, ce genre de trucs, bah moi j'ai kiffé sur celle-là. Et pour des projets personnels j'ai dû vendre mon ancienne. Et je me suis dit, bah, dès que je peux, j'en reprends une. J'ai un feeling avec cette voiture-là que j'ai pas, par exemple, sur une 3RS, qui est une voiture encore plus dingue. Mais sur celle-là, je sais pas. Je trouve qu'elles ont un côté un peu rustique, un peu vraiment, entre guillemets, un peu à l'ancienne, parce qu'elles ont quasiment 20 ans quand même. Ouais. Ah, c'est vrai que tu vas avoir quand même un sacré coup de cœur. Au point de reprendre une voiture que tu as déjà eue, personnellement, je pourrais pas. On n'a pas encore fait d'accélération, mais je pense que ça doit bien marcher, non? Parce que déjà on sent beaucoup le couple. Alors ça marche bien. Par contre sur le mouillé là, on va voir ce que ça donne. Ouais bah écoute, on fait passer ce qu'on peut faire passer, hein. Ce qui passe on le prend et puis ouais. On voit ce que ça donne. Hein. On va essayer en deux. Bon alors voyons voir ce que ça donne, on prend ce qu'il y a à prendre. Donc on fait comme la dernière fois, on part à 50 en deux pour l'instant. Bah écoute, ça passe plutôt bien. Eh ben, je suis surpris. Bah ouais, et là on va essayer en 3 à 50. Des bonnes, des bonnes sensations. Hein. Après, en sachant que là j'étais pas complètement à fond parce que tu sais, t'as deux crans. T'as le premier cran sur la et pédale. Après, tu rappuies. Oui. Voilà. Là j'étais que au premier, mais parce que de toute façon, si je faisais plus, je pense que ça. Ça pas. Se déplace déjà plutôt bien. Hein. Ouais, alors là, regarde, là on est à 50, on va repartir en 3. Voyons voir le couple. Tu vois, je suis surpris, je pensais que parce qu'en venant sur la nationale et tout, ça, j'ai fait une accélération en 3 pour voir. Mais si ça me permettra d'avoir un aperçu pour la vidéo, voir si ça tenait ou pas. En 3, la voiture elle partait comme ça, dans tous les sens. Ouais. Non, fait, bah pas. Écoute, je suis quand même surpris. Hein. Ouais, tu sens les 300 chevaux, tu sens énormément le couple. Pourtant, il n'y a pas un couple de camions, il y a 400 Nm. Ouais, il y a 403 et mon ancienne avait 427. Mais le truc c'est que par rapport à mon ancienne, celle-là s'essouffle un peu plus tôt. Le projet, ouais, donc une fois qu'elle aura beaucoup de kilomètres de swapper. Ouais, soit swapper, soit forger, avoir au feeling, en sachant que de ce que j'ai lu, swapper ça coûte beaucoup moins cher. Parce que visiblement sur celle-là, même quand tu swaps, il semblerait que tu puisses garder boîte et cardan. T'as juste à changer le bloc visiblement. Mais si tu swaps avec le F4RT de la Mégane 3RS? C'est ça, ouais, qui a beaucoup plus de potentiel. Mais généralement ça coûte moins cher d'acheter le bloc et de le mettre dans celle-là que de sortir le bloc de celui-là. Tout ouvrir, forger, ouais, tout refermer. D'accord. Moi, je peux te donner un petit conseil. Tu prends le F4RT de la Mégane 3 GT et tu le fous là-dedans. Alors et ça, voilà. Faudra demander à madame. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le break, c'est la voiture en commun avec elle. Et si je fais ça, il y a des chances que je dorme sur le canapé pendant quelques temps. Avec les semi-slicks, je suis étonné qu'ils tiennent aussi. Eh bah, tant mieux. Donc là, on est pareil à 50. Hein.
J'ai l'impression de retrouver un petit peu le bruit qu'on avait, tu sais, dans la Mégane 3 GT. Qu'est-ce que ça marche? Ouais, mais sauf que là, il est un peu plus prononcé parce que déjà l'admission, elle est beaucoup plus grosse. Et en plus de ça, des katas, tout ça. Donc, bon. Je pense que en accélération, juste en ligne droite, le break est devant, par contre, à mon avis. Ce que je ressens sur celle-là, que je ressens pas sur le break, c'est que au-dessus des 5005, celle-là s'essouffle un peu. Alors que sur le break, à 5005, ça continue de. Enfin, ça continue dans la même lignée. Quoi. Donc, c'est une voiture que tu vas garder? Ah, celle-là, oui, c'est bon. Ça, l'ancienne, je l'ai vendue une fois déjà. Celle-là, elle reste là. Tant qu'il n'y a pas de nouveau projet immobilier, celle-là, tu la gardes. Ouais, même projet immobilier ou pas, elle reste. D'ailleurs, en parlant des Mégane 2 RS, ça cote combien aujourd'hui? Bah, celle-là, 126 000 km, je l'ai eu à 9500 euros. Alors, en fait, je partage. Je trouve ça un poil cher pour une phase 1. Mais d'un autre côté, quand on voit l'intérieur, il est quand même mieux que mon ancienne qui était en phase 2. Parce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une restauration, celle-là oui. T'es à peu près dans les prix quoi, 9000 pour une phase 1, ça va. Après, de manière générale, faut pas inclure le prix des prépas dans les ventes, mais moi je l'inclus quand même, puisque de toute façon je l'aurais fait. Mmh. Donc ça me fait quand même ça de moins à sortir. Pour nous donner les plus et les moins de cette Mégane 2 RS, alors au-delà de celle-ci, en nous partageant également ton expérience sur la précédente que tu avais eue. L'électronique, même si sur celle-là j'ai pas eu de problème parce que ça fait que 10 jours que je l'ai, ça va peut-être arriver, hein, ou peut-être pas, mais... L'intérieur, même si bon pour moi c'est pas un critère, mais bon faut quand même être objectif. Et les points positifs, bah, c'est que c'est du Renault Sport, donc on connaît, on sait que niveau motorisation c'est fiable. 300 chevaux ça va, c'est pas un monstre, mais c'est quand même pas mal. Ça va bien déjà là. Hein. Ouais voilà, c'est bien, c'est pas mal. Il y a la tenue de route, le bruit, le fait qu'elles soient en 5 portes aussi. Ouais. Ça c'était un critère que madame m'a donné, parce que son avis compte quand même, le but du jeu c'est pas de s'embrouiller pour une histoire de bagnole. Les sièges voilà, sont quand même relativement confort, hein. On peut quand même faire de la route, moi je vais la chercher à côté de Nîmes, j'ai pas eu de problème particulier. Hein. Oui, et puis ça va, c'est relativement confortable. Oui, disons que je considère que l'intérieur est acceptable. Pour donner mon avis sur cette Mégane 2 RS, donc c'est pas la Mégane que je préfère, bon moi j'ai un petit penchant pour la Mégane 3 RS qui a plus une gueule de vrai coupé sportif. Pour revenir à cette Mégane 2 RS, bah écoute, moi j'aime cette voiture pour plusieurs raisons. Bon, je vais commencer par les points positifs. Donc le moteur F4RT qui est très fiable, qui sonne bien aussi dès qu'on met une ligne, on l'a vu. Pourtant on n'est pas en full tube. Hein. On a un son qui est assez rauque en fait. Hein. Assez rauque et puis tu vois dans une utilisation quotidienne quand tu es en dessous des 2000. Honnêtement, oui. Ça va quoi. Oui. Après, c'est par vrai. Contre, ça hurle. Il y a quand même mieux niveau hurlement, mais là, on est quand même pas trop mal niveau bruit. Oui, on est pas mal, effectivement. Donc, ça fait partie des points positifs. Donc, moteur et bruit. Il y a aussi le châssis. Bon, parce que Renault Sport, voilà, c'est fait pour le circuit, hein, clairement. C'est la signature Renault Sport. Hein. Renault Sport, c'est toujours ces trois éléments réunis qui font que les voitures sont toutes quasi exceptionnelles. Les points négatifs, bon, bah, vous le savez, il y a l'intérieur qui me dérange, mais tu vois, enfin, pourtant d'habitude je dis que l'intérieur me pose pas problème parce que voilà, moi je ne regarde pas que ça, mais là quand même l'intérieur de la Mégane 2 RS, j'ai du mal. Niveau des formes de la voiture, ouais, je suis plutôt axé coupé. Bah, disons que celle-là c'est clivant, hein. Ouais, vraiment, l'arrière il est pas arrondi, il est vraiment carré. Enfin, ouais. Et puis il y a une coupure qui est brutale, hein, en plus, hein, d'où l'intérêt de mettre un béquet R26R, ce que je vais faire. Ah, la Mégane 2 RS, c'est une vraie voiture qui est passée entre les mains de Renault Sport et on y retrouve toutes les qualités propres à l'enseigne. Hein. Ouais, parce donc, que l'impression que j'ai, enfin, alors encore une fois, c'est pas une critique envers Renault Sport, hein, parce que j'adore ce qu'ils font, mais j'ai l'impression qu'ils mettent tout le budget, comme tu disais, dans châssis, moteur et freinage et ce genre de trucs. Et qu'après ils font avec le reste pour l'intérieur. Ouais. Enfin, c'est vraiment c'est pas une critique, mais c'est l'impression que ça donne en fait. Ouais. Ils se disent, on a tant de budget, on va tout mettre dans le châssis et le moteur. C'est une bonne remarque, mais bon, écoute, je préfère à la rigueur ça que l'inverse. Hein. Parce que si on veut l'inverse, on sait ce qu'on fait, on part acheter une allemande, et puis là, du coup, on a un intérieur de qualité, mais quand il y a un virage, on finit en mur. Voilà. Ouais, mais encore après, c'est vrai qu'il y a les allemandes qui tiennent bien, mais. Oui, non, mais je stigmatise. Mais, mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'après il y a cette vanne sur les Golf GTI qui revient assez régulièrement. Ouais. Mais bizarrement, quand on voit une Club Sport S qui arrive, on fait sait pas le malin. Que c'est du sérieux. Ouais. Ce serait intéressant de voir ce que ça donne vite fait sur le sec, mais ouais.
Ouais, surtout si tu vas sur circuit, je pense que tu vas bien t'amuser avec des tes semi slick et ta config actuelle. Putain, il y avait personne tout à l'heure. Ouais. Et bah en fait, je pense que c'est la sortie des écoles. Les gens viennent chercher les enfants. Pas bête. Écoute, on te remercie une nouvelle fois. Avec plaisir. Bah on se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao.